Bonne journée à tous. Nous sommes avec Olivier Besancenot qui nous a retrouvé. Bonjour Olivier Besancenot, membre de la direction du NPA. On va revenir avec vous sur ce drame de Sivens ce matin, la mort de Rémi Fraisse. Le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Puis vous voyez ces images hier des incidents à Paris, affrontements avec les forces de police, une cinquantaine d'activistes. On va dire, est-ce que vous les condamnez ces violences ? Condamnation, c'est pas le terme. Voilà, il y a des militants qui ont une forme d'action qui n'est pas la nôtre. Il y avait hier deux formes de rassemblement, comme à chaque fois. Et moi, c'est d'abord un rassemblement que je retiens, c'est ceux qui viennent célébrer la mémoire de Rémi en pensant que le combat doit continuer. Il y avait des militants du PG, du NPA, des militants écologistes qui veulent la transparence, la vérité. Et malheureusement, les déclarations qui ont été faites hier soir du côté de la Gendarmerie nationale ne nous rassurent pas vraiment. Je dis ça pour être soft. On va en parler. Des dizaines et des dizaines de manifestations sont prévues d'ici à dimanche dans plusieurs villes. Est-ce que vous pensez que les choses risquent aujourd'hui de dégénérer ? C'est pas moi qui ai la réponse. La réponse, elle est du côté du gouvernement, du pouvoir en général. Il y a eu un drame terrible. Il y a une exigence de justice, de transparence. Hier, on a un responsable de la gendarmerie qui nous explique qu'il n'y a pas eu faute, qu'il est solidaire de l'escadron qui est intervenu, qu'il n'y aura pas de suspension du gendarme alors qu'il nous explique dans le même temps qu'il n'est pas au courant dans les faits exactement de ce qui s'est passé. Et Rémi est mort dans un terrible concours de circonstances. Ça, c'est pas entendable. C'est pas acceptable. Et on est des millions à quand même comprendre qu'il y a un peu de poids de mesure en termes de justice pour avoir fait pas mal de manifestations, des comparutions immédiates. Moi, j'en ai connu beaucoup ces dernières années. Dès que ça dérape un peu, des comparutions immédiates, ça existe. Et puis bizarrement, quand il s'agit d'interventions et de drames suite à des interventions policières, ça met souvent des années. Et là, je ne parle pas que des manifestations. Hein. Ziad Ebouna, 9 ans. Mouchine, Laramie pour Villiers-le-Bel, c'était en 2007. On peut égrener comme ça, c'est-à-dire d'un côté des années. Oui, le patron des gendarmes, il dit que les gendarmes ont essayé d'apporter leur soutien, d'apporter des soins à Rémi Fraisse et que des activistes les en ont empêchés. Ouais, moi, de toute façon, je ne suis pas dans un tête-à-tête avec lui, mais simplement ce que je sais, c'est que les gardes mobiles, quand ils interviennent, il y a, ils n'interviennent pas sans ordre. Voilà, on ne fait pas ça au hasard. Donc là, les questions qui se posent, elles sont éminemment politiques. D'abord, il y aura un débat public à avoir sur l'utilisation de ces soi-disant armes non létales qui, bizarrement, peuvent provoquer la mort ou laisser des traces indélébiles. Là, je ne pense pas simplement aux grenades offensives, explosives. Je pense aussi aux pistolets taser, je pense aux flashballs, je pense aux lanceurs de balles défensifs. C'est-à-dire autant de sujets qui sont mis régulièrement sur la table et pas simplement par des partis politiques, hein, par la CNDS en son temps. Donc là, ce n'est pas nouveau. Maintenant, ce n'est pas que technique. Moi, je ne suis pas armurier. Je vous dis simplement qu'il y a un problème politique global. On peut tuer même avec un bouclier, même avec un bâton. Et ce qui s'est passé ce week-end, c'est le résultat de 2 mois de tension. Et il y a une responsabilité, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas accidentel, c'est que localement, il y a une mobilisation contre le barrage où tous les recours ont été utilisés. Pacifique, grève de la faim, occupation, recours juridique d'ailleurs qui n'ont pas été épuisés alors que le gouvernement a décidé de commencer les travaux. Donc c'est le gouvernement qui est responsable de la situation locale, oui absolument, parce que je crois qu'en gros... De la situation ou de la mort de ce jeune homme ? Bah, de fait aussi de ce qui s'est passé, oui, bien sûr. Alors pas, je veux dire, je suis pas taré, hein, pas la décision d'eux parce qu'on parle de la mort d'un homme, mais on est responsable d'une situation parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait un nouveau Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il y a une confrontation générale qui est en train de se créer aujourd'hui. Et quand on décide d'envoyer des gardes mobiles, et là... alertés publiquement, ils l'ont été et localement et nationalement par toute une série d'élus locaux. Il y a eu des incidents dès le 7 octobre, je crois, de mémoire, où il y a eu des interventions assez agressives de la part des gardes mobiles. Quand Nicolas Sarkozy rappelle que quand il était ministre puis président, il n'y a pas eu de mort, parce que peut-être il vissait un peu plus les troupes, est-ce que vous n'êtes pas obligé de lui donner raison ? Non, sûrement pas. Il ferait mieux de se taire, parce qu'il a la mémoire sélective. Parce que là, on ne parle pas que des manifestations. Des bavures, entre guillemets, j'ai horreur de ce mot. Il y en a eu quand il était ministre de l'Intérieur, il y en a eu quand il était président de la République. Donc il se taise, même sur ce sujet-là, parce que c'est franchement indécent. Je parlais de la CNDS, je parle des défenseurs des droits, de l'Organisation des libertés publiques, qui souligne quand même que chaque année, il y a 10 à 15 personnes qui peuvent décéder suite à des interventions policières. Et Sarkozy, dans ce registre-là, qui ne donne pas de leçons. On n'a plus beaucoup de temps, je suis désolé, mais en deux mots, la démission de Bernard Cazeneuve, vous dites quoi ? Ce que demande Jean-Luc Mélenchon ? Qu'elle ne ramènera pas Rémi, mais que ce serait juste un acte de salubrité publique. Et une réaction sur un autre dossier, 130 000 euros de travaux pour cet appartement de fonction de Thierry Lepan. Vous avez entendu parler de ces révélations du canard enchaîné, du patron de la CGT. Vous en pensez quoi ? Que ça fait beaucoup.
que ça fait beaucoup. Et moi, je ne suis pas militant de la CGT. La question qui se pose, c'est de savoir si ces choix-là ont été faits avec l'assentiment, la discussion des militants et des militantes de la CGT. Il y en a un certain nombre qui semblent choqués, donc contrariés pour l'image du syndicalisme. Mais c'est une discussion plus générale qu'il faudra avoir sur le syndicalisme et puis sur l'intervention politique en général. Tant qu'il y aura de la professionnalisation dans ces secteurs-là, il y aura un problème. Et là, il y a des mesures concrètes à poser en termes de réinvestissement militant des syndicats et des organisations politiques. Merci beaucoup, Olivier Besançon, d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, le journal, mais d'abord la météo.